YouTube Greu, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. Nouveau jour, nouvelle session pour nous aujourd'hui. BioShock Infinite, le retour de DeWitt, le retour de Ellie, Anna, on ne sait pas trop, double identité peut-être. Pouvoir dimensionnel, espace, cosmosien, temporalisatrice. Bref, c'est un petit peu compliqué ce qui se passe tout autour de cet univers qui est BioShock Infinite, mais on est curieux, très curieux de savoir où c'est que tout ça va nous mener. On est, messieurs dames, dans un musée, musée de la guerre, musée passé des événements de l'homme nommé Comstock qui aurait eu un enfant avec sa dulcinée d'époque, sauf que celle-ci est morte de la maladie ou de la main d'une dame qui est une meneuse d'une rébellion face à ce Comstock qui pense propager la bonne parole mais qui en fait n'est qu'un trompeur. Mais voilà, des gens sont avec lui, des gens sont contre lui, c'est un petit peu compliqué. On commence à comprendre en creusant un petit peu que c'est la merde un petit peu partout à Columbia. On apprend des bails et c'est terrible ce qui se passe. Ce que vous entendez agoniser, c'est le colonel Moutarde qui, lors d'un combat, a perdu et nous a proposé de l'achever, tel le bon soldat patriotique et américain que nous sommes. Et on a choisi de lui laisser la vie. Alors apparemment, dans Infinite, tu n'as pas de notion de karma pour la fin, d'accord ? Que tu sois gentil ou méchant tout du long, tu auras la même fin pour tout le monde. C'est un peu dommage, c'était quelque chose que j'appréciais vraiment dans les premiers jeux. L'idée de, en fonction de tes actions, ça dépend la fidélité. Là, ça y est pas, écoutez, on va dire que le travail d'écriture est plus travaillé, plus dense, plus poncé, plus tout ce que tu veux. Donc, on va partir du principe que ça excuse le reste. Mais c'est vrai que c'était une feature de gameplay que j'aimais bien, donc c'est un petit peu dommage. Bref. On a récupéré le pouvoir de l'électro-quartz et donc on peut enfin zitter les gens en face de nous, mais pas que, puisqu'on va pouvoir réalimenter la nacelle qui va nous permettre d'aller à l'aérodrome pour accéder à la première dame et faire quitter Columbia à Elizabeth. Voilà, la dame qui est avec nous ici, il faut qu'elle fuit la Tessie parce qu'elle est recherchée à mort de par ses capacités, ses pouvoirs et peut-être d'autres choses qu'on ne sait pas encore. En tout cas, on a cru comprendre que tu étais le bébé de Comstock, qui avait bien grandi, même si, no spoil hein, pour les personnes qui regardent l'aventure sur Twitch en direct, moi je pense qu'il y a magouille. Je pense que c'est pas ça. Je pense que Comstock se dit comme étant le père de Ellie, vous mais savez, je pense pas que ce soit le cas, tu vois. Vraiment puissant. Oui, bien sûr. Les tonneaux sont super puissants. Bon, alors l'électro-quartz, on connaît, hein, c'est littéralement le pouvoir d'électricité qu'on avait déjà dans les premiers jeux. Pouvoir qu'on obtient tard d'ailleurs, hein, parce qu'on en est presque à 5h30 de jeu. Et je ne fais qu'obtenir le pouvoir de base des deux premiers jeux maintenant. Donc j'avoue, je me sens un peu à la bourre. Enfin, on va bien voir où c'est que tout ça nous mène, parce qu'il y a encore pas mal de plasmides à récupérer. Coucou, à quand un prochain stream sur Assassin's Creed? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, on a bouclé pour de bon l'aventure Assassin's Creed 3, il nous reste le DLC à faire qu'on fera prochainement. J'ai dit que d'abord je voulais me concentrer sur BioShock Infinite pour poursuivre et peut-être boucler l'aventure. Oula, entre les deux. Super. Attends, bouge pas chacal. Voilà, le lance-roquette on connaît bien. Les munitions. Merci demoiselle, ça par contre j'avoue c'est le feu hein. Le fait que Ellie serve vraiment au combat, j'adore, moi je suis très très fan. Non parce qu'on en a vu des jeux d'époque qui notamment accompagnés de, bah, de personnages ne servaient plus que de boulets. Là je vous avoue, elle refait mes journées avec tout ce qu'elle me file au fur et à mesure. Qu'il faut parfois se donner les moyens de survivre. Tout à fait. Il y a ceux qui survivent et ceux qui prennent plaisir à le faire. Tout à fait. Alors attendez, chargeur amélioré. Augmente la taille du chargeur LR de 50%, 816$, c'est un peu cher. Alors, YouTube, toi, je sais pas trop comment tu vois ça, je pense dans la continuité du reste, étant donné que je poste en général un épisode tous les jours. Le moins possible. Mais nous, ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas joué, donc forcément, je suis à froid. Va falloir se chauffer un petit peu. Et je suis en train de remarquer qu'on est en train de faire le chemin en sens inverse. On n'avait pas laissé un coffre derrière nous. Les gars, si c'est toujours possible d'aller le crushed, j'irais bien le faire pour récupérer des ressources. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, messieurs, installez-vous confortablement. BioShock Infinite, la suite avec cette seconde session. Vous n'avez encore rien loupé, on vient de démarrer. Et à tous ceux qui connaissent l'aventure, bienvenue. On attend de votre savoir-faire et on évite de spoiler si possible. Je rappelle que c'est la découverte totale. Attends, il y a un portefeuille. Maha. Ok. Ouais, c'est chouette, le gameplay est vraiment cool. Juste, effectivement, je regrette le côté karma. Je sais pas, je trouve ça un peu con quand même que tout au bout du compte
mène au même. Ok, super. Par contre, toi là, tu pètes pas un plomb, s'il te plaît. Hein. Ouais. Ouais. Parce qu'on l'a vu, hein. Certaines de ces merdes sont capables de se réveiller maintenant. Ce qui n'annonce pas que du bon pour la suite. J'ai déjà répondu à la question pour Assassin's Creed. Débouchez-vous les oreilles. Par contre, ouais, je suis d'accord avec vous. Hein. En ce moment, on est très 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 patriote sur la chaîne. Ah, c'est particulier. C'est quoi ça? Oh, c'est un robot! C'est un Douglas! Excellent! Alors, attends, pourquoi c'est la guerre là? Pourquoi tout le monde y veut se tuer? Ah, d'accord, donc il y a l'armée de Captain Moutarde. Enfin, du colonel Moutarde. Et il y a l'armée de Comstock, du coup. De ceux qui croient en la parole du prêtre. Ok, bah nous on arrive en plein milieu et on va foutre le sbul comme d'hab. Ya! Let's go! Ok, Douglas est avec moi. Soyez de ta mère. Merci. Y aurait-il point des munitions, SVP? Ah, ah! Non, non, non! Attends, la dame, la dame! Non! J'ai loupé les munes! Oh, j'ai le mort! Non, parce que en vrai, c'est la seule qui peut me fournir des munitions constamment pour le lance-roquette. À un point d'ailleurs qu'à la fin de l'épisode précédent, j'ai quasiment joué qu'avec lance-roquette. Hein. Je rappelle qu'on joue en difficile. Mais pour le moment, en tout cas, le mode difficile, je le ressens pas trop, j'avoue. Enfin, par rapport au premier jeu, je veux dire. Là, je sais pas. Pour le moment, tout baigne. Je dis pas, ça va rester comme ça jusqu'au bout. Mais quand même. Donc, je sais toujours pas ce que ça fait quand on ken. Can, pardon. Pardon, pardon. Ah merde. Ah, attends, c'est où la suite? Retournez au mémorial, alimenter la nacelle. Ah oui, d'accord, ok. Let's go. Alors attends. Parce que du coup maintenant je peux aller là. Oh yes. Yes, 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 yes. Je me demandais comment y aller en plus ici. Ah, super. Tip top. Toi ta gueule. Et l'autre il est où? Let's go. Messieurs bonjour. Oh la vache. Comment ça des roquettes là-bas? Rien du tout. Tu te chutes. Y a pas de roquettes. Le seul qui a un lance-roquettes ici c'est moi. Patriote motorisé. Quoi? Mais wesh! Wouah! Attends, je peux invoquer des méca casma avec moi? Attends, mais c'est trop bien ça! Wouah! Mais c'est une première, c'est insane! Par contre, il me manque vraiment la télékinésie. Ça, c'est un délire. La télékinésie, les gars, c'était l'un des pouvoirs que j'utilisais le plus dans le 2. Là, ça y est pas du tout. Ah! J'avoue, j'ai un peu le mort. Wouah! J'ai un méca Washington! Qu'est-ce qu'il y a? Il a une sulfateuse et tout, trop stylé. Hello Kazma, j'ai commencé contrôle. Eh bah décidément. Putain, j'arrive pas à récupérer des sous en plus vis-à-vis de ça. Vous imaginez, franchement, vu toutes les personnes à qui j'ai fait acheter contrôle et jouer, le fait de pas toucher des royalties là-dessus, ça pique un peu, hein. Honnêtement, on aurait presque pu s'acheter la PS5. Non, je crois que vous êtes pour de vrai une vingtaine à qui j'ai fait acheter contrôle. Parce qu'il y a les gens qui actuellement l'achètent parce que j'en reparle un petit peu. Et il y a aussi ceux qui l'avaient acheté pendant le stream du Covid. Mais encore une fois, contrôle, aventure incroyable. On aime, on n'aime pas, ça c'est sujet à débat, hein, c'est comme tout. Hein. C'est les goûts, les couleurs, tout ça. Mais ouais, moi, contrôle, expérience incroyable. Hein. Je l'ai beaucoup trop kiffé à l'époque. Bon, j'ai encore deux munitions de lance-roquettes. En veux-tu, en voilà, ça s'arrête jamais cette merde. Allons-y. Écoutez, tant que le lance-roquette fonctionne, bon, il n'y a pas de raison que je lâche. Oh, attends. Attends. Merde, je peux pas faire demi-tour. Si, je peux faire demi-tour. Je viens de penser à un truc. Parce que là, je suis en train de me barrer, mais... Attends. Lui, il avait un lance-roquette. Voilà. Voilà, et donc deux munitions de plus. Putain, les gars, ça s'arrêtera jamais. Salut Kazma, salut Gisley, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, messieurs, dames. Installez-vous confortablement YouTube. Rejoins-nous dans l'espace des commentaires. Hésite pas. Tu peux suivre les aventures en direct avec nous. Et sache qu'au moment où tu entendras ça, j'aurai fini l'aventure. Ah mais j'ai plus de snipe. Ah fait chier. Oh le bombe c'est bien hein, mais j'aurais bien voulu le snipe. Ils ont retiré les crochets? Ah non. Alors attendez. Oula. Allez. Allez. Putain. Wouah, j'ai tellement pas réussi à m'accrocher. C'est terrible. Nya. Ok, ça tente des bails. La gueule.
Ok, panique pas. La gueule. Comment ça insensible? Comment ça insensible? On s'arrache. Attendez, parce que ça prend des risques là. Ça prend des risques. Oh là 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 là. Enfin, le fait qu'ils aient des barres de vie, ça rend la chose un peu plus compliquée quand même. Mais comment ça insensible? Mais insensible de rien du tout toi. Une arabe, ouais c'est ça, Doutaras. Attends, c'est bon je l'ai eu. Oh mec je l'ai eu, incroyable. Let's go, insane. Bon par contre j'ai plus de sous, hein. Enfin j'ai plus de sous, j'ai plus de vie. Mais justement j'ai peut-être un peu de sous, attends. Je crois que là-bas, il y a un magasin où je peux me rendre de la life. Y a pas de map, ça manque. Là, toi. Non attends, toi c'est pour les upgrades. Toi c'est pour les upgrades. Où c'est qu'il y a un magasin normal? Attends. Merde. Il me faut de la vie. Où c'est que je vais trouver de la vie? Parce qu'en face t'as le magasin de... Attends, c'est même pas un magasin, c'est un bar. Monsieur DeWitt, moi c'est Booker. Un vendeur. Il me faut un vendeur. Ah, c'est quoi ça? On arrêtera de se faire tirer dessus. Excellent. Si ça Excellent. Vous intéresse, j'ai repéré du matériel. Ah, parfait. T'as repéré du matériel? Comment ça t'as repéré du matériel? Et genre tu veux pas me l'indiquer pour de vrai? Attends. On m'a dit de faire bien attention à ce qu'elle dit parce qu'apparemment des fois ça déclenche des objectifs secondaires et là c'est pas le cas, mais qui du coup me permettent de récupérer du plus. Bon, étant donné que la dernière fois j'avais déjà récupéré ce qu'il y avait dans la zone, je m'attendais pas à ce qu'elle me donne quelques trucs. Mais on sait jamais. 14 et 14 ça fait 28, ça fait 40%. Ouais, vas-y. Rends-moi directement, toute ma vie sera plus simple. Les cristaux, j'en ai laissé plein derrière, donc je vais en retrouver de toute manière. Et le lance-roquette, je m'en fous un peu parce qu'en vrai je l'utilise tant que je peux. Mais à un moment je vais le lâcher quoi. Voilà, regarde. Juste ça. Ça traîne de partout. Ça récupère des crochets en veux-tu en voilà. Ça va croche, t'as le coffre au retour, mon gars. Si c'est possible. D'y retourner. Ouais, c'est pas mal. Bien. T'aimes bien jouer à Fortnite? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je n'ai joué qu'une seule fois à Fortnite et ça m'a pas... Ça m'a vraiment pas transcendé. Ah! Oh oh! Je connais ce bruit! Je connais ce bruit! Oh oh! La gueule! Merci! La gueule! C'est bon! Ok. Mecha Washington, tu te chutes! Let's go! Opposition tonique. Vous avez utilisé un tonique ou son influence pour tuer 75 ennemis dans la campagne principale. Let's go! Bogo style! Bogo style! Alors attends, que je me rappelle. C'était où déjà pour les crochets? Je crois que c'était par là en plus. Ça me dit un truc. Oui, même qu'il y avait lui qui était devenu mon copain. Je comprends toujours pas d'ailleurs le délire des Douglas que tu pirates. Certains deviennent tes potes, totalement. Et d'autres ne le seront jamais en fait. Encore? Non mais c'est pas possible, je suis maudit. T'aurais pas un crochet en plus par hasard? Non parce que là j'ai un peu le mort quand même, hein. Ça fait deux fois je passe. Deux fois je peux pas faire ce que j'ai besoin. Non attends, je vais garder le pompe. Parce qu'en vrai je suis pas très très à la précision non plus. Plutôt du joueur explosif que mec. Donc ça marche un petit peu mieux. Non mais c'est pas vrai. En vrai si je trouve un crochet juste à côté ça peut le faire. Mais j'ai vraiment pas de bol, hein. Ok. Alors. Ah mais là c'est fini. Ouais bah là c'est fini. Bon bah tant pis. On sera passé à côté du coffre et j'aurai jamais eu l'occasion de le récupérer. Tant pis. Alors que se passe-t-il? Je comprends pas vraiment comment tu fais ce que tu fais là. C'est faille. J'ai toujours imaginé que c'était des portes. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas que les ouvrir. Je les créais à partir de rien. Tu les créais? Je pouvais me promener partout. Mais j'avais toujours besoin de revenir. Pourquoi? Je sais pas. Pour ma famille, peut-être. Mais comment tu fais ça, exactement? Vous vous souvenez, je vous ai dit que je lisais beaucoup. Eh bien, j'ai essayé de comprendre. J'ai lu des livres sur la physique et ce genre de choses. Ah ouais? Et t'as appris quoi, au juste? Qu'il y a un océan entre ce que nous voyons et la réalité. D'accord. Oui.
un océan entre ce qu'on voit et ce qui est perceptible. Ouais, bon, d'accord. Ok, oui, c'est une jolie image en soi. Mais du coup, ça n'explique pas du tout comment tu fais ça, hein. Enfin, je veux dire, de manière naturelle, hein. Putain de sujet d'expérience, c'est la première X-Men de l'histoire, meuf. Quoique non, le premier X-Men de l'histoire, je crois que c'est Wolverine. Attends, Wolverine. Quelle année, Wolverine? Il est né en quelle année, Wolverine? Logan. Kazma, je suis choqué comment t'es avancé par rapport à moi. Dans Bioshock? Dans Bioshock? Ah, vous jouez en parallèle de moi? Excellent. Ah, attends, je peux avoir un patriote motorisé, d'accord. Mais, pourquoi faire? Ça sent la résistance, là. Ça sent la résistance. Alors, attends. Ok. Et là, normalement, ça fonctionne. La nacelle arrive. Let's go. Et là, faut tempo. Il va t'abandonner. Et là, faut tempo. Elisabeth. Quand il aura ce qu'il veut, il partira sans toi. Tu t'attendais à quoi de la part d'un menteur et d'un tueur? Ah merde, la faille a souffert. Père, prophète, qui que vous soyez, je m'en vais et vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Oh, tu veux bien faire au moins l'ouverture de la faille, s'il te plaît? Ah, c'est bon. Vas-y maintenant. Ok. Ça arrive. Mecha Washington, tiens-toi prêt, mon grand. Ça vient d'où? Ça? Non, attends, c'est pas ça. Putain, il les voit, moi non. Ah là! Ok, d'accord. Waouh, il y a un crochet! Trop bien! Ah, vas-y, file! Génial! Ok, merci. Let's go! Elle m'a remis à bloc! Alors attends. On va shooter là. Super, j'ai visé tellement trop haut. Touché! Alors attends, parce que là c'est pas pratique, j'accède à rien. Do it! Ok, ça dégage. Hop. Fusée de précision. Let's go! Ok, alors qu'est-ce que ça dit là-haut? Ça dit que. Il y a un gars que j'arrive pas à viser surtout. Attends. Oh là là! Oh, j'aime pas trop ça! Attends. Il est où le kit de soins? Ça, c'est pas le kit de soins. Ils sont là. Bordel! Celle-là, maintenant. Que quelqu'un m'aide! C'est bon. Ah, pourquoi je bouge? Pourquoi je. Attends. J'ai un peu du mal avec les combats sur tram, hein. Ça nique ta mère. Nique ta. C'est pas ça que je voulais faire! Oh la vache, eh, c'est quand même le bordel, hein. Allez, bam, moins un. Allez, bam, en deux. Demi-tour. Nya! Vous comprenez rien, c'est normal, moi non plus. Ok. C'est bon. On a toute l'énergie du monde. D'où ça tire? Attends, j'ai vu une roquette, je suis pas cinglé. Là. Salaud! Ça prend pas, hein. Ah, c'est ça, ouais, viens. Merde. La gueule. Attention, la gueule. Attends. Il est là. Et il panique un peu, le Kazma, là. Parce qu'il comprend pas trop pourquoi il y a mis un ennemi et qu'il se retrouve ici alors qu'en fait il a commencé. Eh, j'étais quand même là-bas, hein, tout à l'heure. Non, juste pour dire que c'est un peu parti de. Waouh. De nulle part. Et que ça continue à foutre le sbeul. Nique ta mère. Demi-tour. On y retourne. Tu peux tirer tout en étant sur les rails. Ah mais ça j'ai compris, hein. Mais fou, quel bordel. Merde. C'est bon. Alors attends. Il est où lui? Le sniper là. Putain, il est descendu, mec. C'est tellement le bordel. J'entends des tirs, je ne vois personne. C'est chaud. Oh, mec à Washington, comment va? Ah, ça douille. Et toi là-bas là. Nique ta mère.
Ok. Là. Là. Très bien. Merci. Ellie, tu es ma meilleure amie. Nique ta mère. Ok, touché. Dans les burnes. Encore dans les murs. C'est bon. Quoi, il est pas encore mort? Ça va, oui. C'est bon là? T'es content? Bien. Alors attends, qu'est-ce qui se passe au sol? Au sol, il y a toujours ce connard là. Merde. Merde. Mais faut faire un effort. C'est bon. Bon annoncé jusqu'au dirigeable la première dame. Oh mais quelle merde. Alors attends, il me reste 7 balles, 6 balles ici. Là, petit atterrissage en douceur. Let's go, qui m'embrouille encore? Tu veux quoi toi? Dis-toi. Ok. Ok. Eh ben. Eh, je vais même pas prendre le temps d'aller fouiller tout ce que j'ai laissé derrière en fait. Parce que là, juste flemme. Non, je veux dire grosse flemme, tu vois. Canon à manivelle. En vrai, c'est pas mal, mais c'est chiant c'est parce verrouillé. Que. J'y vais. Parce que. Bah déjà, ça décharge vachement vite. Puis super. En plus, c'est lourd. Lourd à tirer, lourd à démarrer, lourd à tout ce que tu veux. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, messieurs, dames. Bienvenue sur BioShock Infinite, la suite de votre série du moment. La série courte, mais intense. Quand vous comme étiez inconscient sur la plage, vous... On est là. Vous répétiez le nom d'une femme. Ah. Anna. J'ai pas envie de parler de ça. Désolée. C'était indiscret. D'où venez-vous, monsieur DeWitt? New York. Qu'est-ce que vous y faisiez? Un peu la même chose. C'est pas le genre de truc qui fait vraiment joli sur un CV. On peut dire que vous êtes arrivé au bon moment. Comment tu crois que je suis arrivé là? Je jouais. Alors je dois de l'argent à des gens pas vraiment fréquentables. Je suis là pour payer mes dettes. Pourquoi tu crois que je suis venu te libérer? Par pure charité. Qui vous envoie? Quelqu'un prêt à effacer mes dettes pour mettre la main sur toi. Eh bah tip top, hein, grosse ambiance. Bon. Joueur, arnaqueur, clopeur, alcoolique à en devenir, ou alcoolique qui l'est déjà. C'est compliqué, hein. Ah, on est... Ah oui, le syndrome de l'américain, hein, ça existe. C'est ce qu'on est, hein. Bon, mon cher DeWitt, va falloir être un petit peu plus tendre, hein. La dame, elle vient tout juste de quitter sa prison de fer et de métal, là. Elle comprend pas trop déjà ce qui l'entoure. Elle essaie de découvrir le monde, soit plus polie. Donc Anna, c'est qui? C'est la femme de DeWitt? Donc la femme qu'il a perdue, ainsi que ses enfants. Moi, je vous dis, il y a une arnaque. Une grosse arnaque. Je suis sûr que Ellie n'est pas la fille de Comstock. Non, je sais pas. Non, je veux pas l'accepter, en fait. Il y a eu une espèce d'échange à la maternité ou un bail de ce genre. Mais, oh. Mais non, j'en suis sûr. Ah, super, d'accord. Donc là, j'avais trois bougres au même endroit et t'es en train de me dire qu'avec une roquette, j'ai même pas réussi. Merci. Attends. Et que j'ai même pas réussi à tous me les faire avec une balle dans les bourses, connard. Voilà. Allez, plus de... Oh. Ouais, je l'ai cherché, mais toi tu m'as trouvé, cogno. Ta gueule. Allez, 29 sur 30. Bouge pas. 30 sur 30. Tiens, non, ça a pas marché. Ah, peut-être que c'est sans visée. Ah, zut. Bon, écoute, hein. Oh yeah! Ok, il avait juste un peu de retard. On est qualitatif! Vous avez tué 30 ennemis avec un fusil de précision. Œil de lynx. On est bon. Je n'arrive pas à quitter mes armes actuelles, hein, je vous le dis. J'avais dit que. Oh! Que ça passerait et que je changerais un petit peu, mais écoutez, tant que ça fonctionne, hein. Voilà, on est pas mal. Pour les personnes qui demandent, je rappelle que c'est marqué sur l'overlay, on est sur Series X, messieurs, dames. Parce que je sais que vous êtes quand même beaucoup à demander, étonnamment. Je fais un effort, hein, pour vous donner toutes les informations du monde. Mais vous continuez de poser la question, donc bon. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci à toutes les personnes qui follow Subway Prime. Si jamais je ne vous vois pas, vous êtes les meilleurs, les Kazmas. C'est grâce à vous qu'on fait tout ça. Et qu'on progresse dans ces streams de qualité et dans toutes ces aventures de qualité. Je rappelle qu'à la toute fin de cette aventure, déjà je ferai mon top 3 parce que j'ai trop aimé cette collection. Donc comme ça vous aurez mon point de vue par rapport à ça. Et surtout sur Twitter je ferai un sondage pour proposer la prochaine aventure qui viendra remplacer celle-ci. D'accord? C'est vous qui allez à nouveau choisir comme à l'époque sur YouTube les aventures que je ferai à venir. Parmi un nombre d'aventures. Oui, c'est l'enterrement de la première dame.
Donc la femme de Comstock est la supposée mère d'Ellie. Mais ça me paraît quand même bizarre. Ça me paraît quand même bizarre. Allons-y. Alors. Proposez pas déjà maintenant, ça sert à rien. On proposera à la toute fin quand on aura fait l'aventure principale plus les DLC. Et qu'on sera sur Twitter. En gros, ce que je ferai, j'en ai déjà parlé, mais voilà, c'est dit, je veux le faire comme ça. Sur Twitter, tu peux proposer un sondage jusqu'à 4 choix. Moi, ce que je ferai, c'est que je proposerai 2 choix de ma poche. Et vous, de votre côté, je vous laisserai me proposer 2 jeux. Et ceux qui reviendront le plus, du coup, je les mettrai dans le sondage. Et ensuite, pendant une durée déterminée à ce moment-là, vous aurez le choix entre 4 aventures. Vous pourrez en choisir qu'une seule. Et c'est celle qu'on fera à venir. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, si j'ai envie de faire à nouveau les jeux, je les remettrai dans un nouveau sondage qui reviendra derrière, etc., etc., etc. Bien. Disons que je peux pas remplacer pour le moment le casse marathon Assassin's Creed parce qu'on n'a pas fini. Je n'aime pas vraiment et que Lego n'est pas non plus sur sa comment fin, quoi. Comment pouvaient-ils savoir que vous alliez venir? Soit ils ont un prophète dans leur rang. Ha, ha. Soit on doit ces affiches à mes employeurs. Pourquoi? Aucune idée. Hey lol, ça fait des blagues ici. Ils ont un prophète dans leur rang. LOL! J'aime pas trop. Non, je suis pas fan. D'ailleurs, quand t'as fait Bioshock 1, t'as dit que tu voulais faire Subnautica. Oui, mais ça fait un moment que je veux faire Subnautica. Hein. C'est ce jeu-là comme un autre. Hein. Il y a énormément, énormément, énormément de titres qui m'intéressent. Des jeux que je veux découvrir, des jeux que je veux redécouvrir. Parce que je connais énormément de jeux. Parce que je suis passionné de leurs histoires, de leurs univers, de leur ambiance, de leurs personnages, tout ça. Mais pour autant, j'ai jamais joué, j'ai toujours été un petit peu spectateur des jeux que tout le monde appréciait ou jouait. Mais du coup, ouais, pourquoi pas passer de l'autre côté de la force, prendre la manette pour une fois, et vous proposer une aventure en parallèle. Ok, bon bah on est pas mal, hein. On est pas mal. Oh, de l'argent. Miam, 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 miam. Bon. Ça s'est pas encore réveillé, ça, hein. Mais dans le post-fin de jeu, je le sens bien ce truc se réveiller et devenir la pire méca connerie que ce monde nous ait proposé jusqu'à présent. Allons-y. Quittez la zone. Let's go. J'espère qu'on est bien. Tu vas bien? Je veux visiter Paris. Je veux tout voir. Tout. Ma foi, ça dépend que de toi. Personne... Hé, hey, qu'est-ce que c'est? 40 degrés nord, 74 degrés ouest. C'est pas Paris, c'est New York. Comment tu sais ça? Dans ma tour, je n'ai jamais manqué de temps, monsieur DeWitt. Du temps pour étudier la géographie. J'avais des dettes. Et puis ce type, il m'a proposé de tout effacer si je t'amenais à lui. Allez, c'est... Allez, tout va bien se passer. S'il te plaît, regarde-moi, parle-moi, on peut sûrement... Honnêtement, tu l'as cherché. Honnêtement, tu l'as cherché. Tu lui as promis Paris. Bon, après, c'est un peu gros, hein. Tu viens de la rencontrer. C'est peut-être pas ton premier coup de cœur non plus. Elle est peut-être un petit peu jeune. Toi, peut-être un peu trop expérimenté, un peu trop claqué aussi. En tout cas, elle t'a bien éclaté la gueule. Bah! Ah, que se passe-t-il? Du coup, on quitte Columbia, là? C'était express. Un énorme chèque. Oula, c'est quoi, ça? Ah, ah. Comstock? Oh bordel! Non, je vais perdre mon meilleur atout! Mes munitions! Mon argent! Hein? What the fuck? C'est qui eux? Oh bah super, c'est la gratuité. Je me prends une baigne avant qu'on me dise bonjour. Excellent! Oh, what? 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 Oh, le gros moche du début! La créature de Frankenstein. On est où là? On est toujours à Columbia? Lizzy, fallait juste un peu d'air. Il est réveillé. C'est donc toi, ce faux berger, qui fait autant parler de lui. Tu as semé le chaos à la tombola. Lizzy Fitzroy? C'est bien moi. J'ai rien contre vous, ou votre vox populi. Mais vous essayez de me prendre mon dirigeable. Et j'en ai particulièrement besoin. Ah oui? J'aurais pourtant juré que c'était celui de Comstock. Écoutez, j'ai pas envie de me battre. Tout le monde se bat, DeWitt. La seule question, c'est... pour qui tu te bats?
Comstock est le dieu de l'homme blanc, de l'homme riche, de l'homme impitoyable. Mais si ta foi va au peuple, rejoins donc la Vox Populi. Si elle va aux causes justes, rejoins Je la Vox Populi. Je veux mon dirigeable. La Vox Populi te le rendra. Mais d'abord, tu dois nous aider. Il y a un armurier à Finton qui peut fournir du matériel à notre cause. Va chercher nos armes et nous te rendrons ton dirigeable. Alors, c'est du racket ça, madame. Oui, oui, oui. Ça, c'est du racket. Salope. Eh ben, super. On a perdu Elisabeth. J'ai perdu mon avantage. J'ai tout perdu, là. C'est terrible. My. Donc, on est à Finton. Finton. On va dire Finton. Putain, les mecs, ils ont même recréé les usines, mais au-dessus des nuages, quoi. Ça veut rien dire. Allons-y, monsieur dame. 827$. Je peux pas dire que c'est la Hesse. En même temps, j'ai pas vraiment de quoi m'acheter des upgrades. Donc, c'est un peu la Hesse, quand même. Ok. Attends, la suite c'est par là, je suppose. Oui, la suite c'est par là. Bien. Du coup, j'ai même plus accès non plus au crochetage. Ah non, c'est chiant ça. C'est giga chiant. Bonjour. L'unité volante l'a emmené. Tu risques plus de le croiser ici. De croiser qui? De croiser quoi? De quoi il me parle lui? Cinglé, va. Ah là là là. Ah, voxophone. Alors, raconte. Qu'est-ce qui se passe? Samuel a toujours cru que le sermon du dimanche allait de pair avec le travail du lundi. La science, c'est la lente révélation du dessein divin. Après 2 années passées dans la tour de l'agneau sur Monument Island, il a développé un cancer de l'estomac. J'ai prié le prophète, et le prophète nous a offert un miracle par le biais de Fink, son serviteur. Je ne sais pas si je m'habituerai jamais à voir mon mari encastré dans un squelette en métal. Mais je préfère de loin avoir à mes côtés un handyman plutôt qu'un homme mort. Attends, mais c'est le retour des Big Daddy là, en gros. C'est le gars qu'on a vu tout à l'heure, là, l'espèce de Frankenstein, c'est son mari? Ou c'est un gars qui aurait pu être son mari? C'est un Big Daddy en fait, c'est le même délire. Ok, bon, si on a fait les 2 premiers jeux, et en l'occurrence pour nous c'est le cas, ça nous est pas inconnu toute cette merde, hein. Bon. C'est quoi cette musique d'ascenseur là, sans fin? Un peu chiant, non? C'est un peu chiant quand même. Ok, ça on a. Miam miam, merci. Vous pouvez dire de moi que je suis un alcoolique, mais je vous dirais que ce n'est pas vrai. Pourquoi il y a un crochet là que je peux pas avoir? Il y a un crochet là, je peux pas l'avoir. Heureux. D'accord. Bon, en gros, si je comprends bien, c'est ici qu'ils construisent toutes les nouvelles technologies, en gros, les mécas... Ok, calme, cowboy, calme. Ok, par là, c'est la suite. Alors, attendez, parce que je pensais que la suite, c'était là. Mais pas du tout. Espèce d'alcoolo, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Y a pas à dire des choses de moi comme ça, hein. Vous êtes trop méchants. Hein. Vous allez finir ben tempo, hein, ça continue. Hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est là qu'ils produisent les machines. Bon. Peut-être qu'on va obtenir une cape qui nous permettra d'avoir des ristournes dans les magasins par rapport à un choix qu'on aura fait. Monsieur, je peux pas récupérer la pièce là. Casse-toi. Merci. Paniquez pas, je voulais juste l'argent. Là. Ok, nice. Eh, je profite, hein. Le jeu, normalement. Oh là. Il me pose pas de problème en fonction de mes choix, donc j'en profite un peu. Attends, je suis perdu. Oui, non, c'est par là que je suis pas encore allé. La Polizia. La Polizia ne m'embête pas encore, mais peut-être qu'elle va m'embêter quand je vais aller là. Ça sert à quoi d'aller ici? Bonjour. Oui. Du calme. Non, je suis juste curieux de savoir ce qu'il y a sur votre bateau. Pourquoi tu m'embrouilles? Je suis pas sur ton bateau. Ah! Attends. Non, mitraillette. Ouais, pas grand chose. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? La gueule! Nya! Voilà, dégage. Voilà, pas de témoin. Vous me faites chier un peu, hein. Vous me faites chier. Pourquoi tout le monde y m'embrouille? Oh, c'est pas vrai. Bon, d'accord, écoutez, foutu pour foutu, allons voir ce qu'il y avait sur leur bateau.
Oh mais merde. Et quand il m'a demandé de quitter le bâtiment, vous êtes témoin, je l'avais déjà quitté depuis un moment hein. Mais le jeu l'a pas pris en compte. Arrête de voir, tu perds de la vie, sérieusement. Ah j'ai pas fait gaffe. Ah. Ah. Non c'est bon. Bogle. 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 Voilà, ça part en chaîne. Qu'est-ce que... Encore. Égal. Égal. Putain, ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. J'ai foutu le sbeul à l'aide. Rien de caché. Oh putain. Eh vas-y que ça sort les tourelles et tout. Oi, 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 oi. Ça me tire de où? Ah, ça me tire de là, d'accord. Waouh, waouh, stop, stop, stop. Ok, t'es avec moi. Les gueules. Voilà. Ok. Attendez, 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 attendez. Non, parce que là, j'ai pas de vie, c'est la merde. J'ai pas de vie. Je vais canner. C'est compliqué. Ok, ça c'est avec moi. Toi t'es plus avec moi. Putain, je suis dans une merde. Mais dans une merde. Et vous voyez, c'est là que le fait de plus avoir... Waouh. De save, ça m'aide pas du tout. Qu'est-ce que... Hein? Lorsque votre vie est sauvée, vous êtes en partie soigné. Mais c'est aussi le cas de vos ennemis. Vous perdez également un peu d'argent. Mais non. Mais cette mort éclataxe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que c'était de la merde. Que t'es mort comme une brêle. Il s'est techniquement rien passé. Mais t'as chu quand même parce que t'es une brêle, Kazma. Non, là je suis pas d'accord. Le jeu il s'est... Ah. La gueule. T'es avec moi du coup là? Ok. Ok, 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 ok. Ouais, le jeu j'ai pas compris pourquoi il s'est vénère, ça me vénère. Vraiment, j'ai quitté le bâtiment quand même, l'a demandé. Et pourtant... Et pourtant ça manique. Eh hey, ta gueule, eh hey, ta gueule, la vérité ta gueule, attends. Merde. Putain, je me fais assaillir de devant, je me fais assaillir de derrière. Mon plaisir. Ok. Bon, j'ai plus de lance-roquettes, là c'est officiel. Aïe, 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 aïe. Ah non, je suis dégoûté de ma mort, elle est nulle, elle est vraiment nulle. Il fallait bien que ça tombe à un moment, mais... Oh, une mort comme ça, un peu le seum. Bon, est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Ah, mais je me suis fait embrouille pour si peu. Oh là 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 là. Mais bon, vous êtes content? Voilà, tout le monde il est mort. Ça vous a bien servi de faire ça. Vous avez perdu plus d'hommes que vous en avez sauvé. Très heureux pour vous, bien. Des choses cachées, des choses cachées. Bah, pas grand chose, hein. Non, toi c'est la mitraillette. La suite c'est pas par là, donc allons voir. Bonjour. Et lui il s'en bat les couilles. Ok, bon. Oups. Oups. J'ai vu trop tard. T'es où? Là. M'emmerde pas. Merci. Le coffre. Le coffre. Prendre un lingot d'argent. Voilà. Côté toi. Et bah je suis la pire des merdes. Je suis la pire des merdes parce qu'au bout du compte j'aurais fini par tout voler hein. Pantalon soin urgent. Le délai de recharge du bouclier diminue d'une seconde, multiplie par 2 la vitesse de recharge du bouclier. C'est pas mal ça. C'est pas mal, mais du coup ça viendrait à remplacer par quoi? Enfin à la place de quoi? Attends. Le pantalon, j'avais quoi avant? Repousser les ennemis que vous attaquez au corps à corps. Non, en vrai, la charge du taureau, étant donné qu'on est toujours proche d'un espace de vide, ça m'aide vachement bien parce que ça me permet de les expulser par-dessus bord. Et en vrai, l'économie de munitions, mon gars, c'est pas négociable. Ouais, quelle merde. Ah, mourir pour si peu, ça me vénère. Alors attends, toi, là, je te voyais de l'autre côté. Let's go. Là. Ok. Ellie. C'est quoi ça? What? D'accord.
C'est un tissu qui est pris dans le mur. Oh, des lions! Oh, il est tout mignon! Et il y a vraiment un problème avec les yeux dans cet univers. Non, mais c'est vrai, ils ont tous des gros gros yeux qui rappellent énormément d'ailleurs Alita Battle Angel, le film. Luc Besson. Français! Français! Monsieur, bonjour. Vous avez une bonne tête, vous? Oui. Ah! On va les récupérer. Ah, si, c'est bon. Ah! Aïe! Et merde! Je voulais juste récupérer des ressources. Ok, votre salaire vous déplaît? Ne vous laissez pas abattre. L'histoire nous dit que Seurat, le peintre, n'acceptait pas qu'on le paie pour son art. Et George Washington n'accepta la présidence qu'en échange d'un dollar symbolique. L'argent ne fait pas fait aux clandestines comme toi. Vaut mieux pas que je le sache. Ok, il y a un problème, il y a un problème. Elia vient d'essayer de faire une manœuvre. Elle s'est fait repousser total. Et là, elle me fuit total. Elia, faut qu'on cause. Bon, je sais, je t'ai un petit peu menti. Mais il faut me comprendre. J'ai un problème. Je suis alcoolique. Ce qui n'est pas du tout la base du problème actuel. Hein. Mais Elia, comprends-moi. Tu peux tout excuser à un homme américain déterminé et blanc. Et j'ai dit, attends-moi, j'arrive, mais je cherche, il n'y a pas des secrets. J'arrive. Ellie. Il n'y a rien de caché. Hein. Ellie. Oh, une faille. Wow, 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 wow. Eh, tu triches. Elisabeth. Merde. Attends, mais elle triche de ouf, là. Ellie. Attends-moi une minute. Je sais que tu as peur. Mais attends. Attention, poussez-vous. Moi, what the fuck. Ellie. Je ne peux plus rien faire sans toi, ma douce. Ah. Ah non, ça c'est de la triche. Non, bah non, bah non. Ellie. N'entre pas là. Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme vous. Oh, oh. Non, 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 non. Oh, oh. Non. Oh putain, c'était sûr. Laissez-moi. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, elle s'est fait baiser comme une bleue. Non, bah non, Miley. Rendez-moi Miley. Attendez. Regardez s'il n'y a pas des... Ah, des ressources. Maxophone. Soldat Vivian Monroe. Ils ont traité Slate de monstre et de traître. Je connais les hommes qui sont morts dans l'antre des héros aux côtés du capitaine. Oh, oh. Il n'y a pas de honte à être leur camarade. La honte, elle est sur nous, qui nous sommes rassemblés à l'extérieur de l'antre. Le jeu veut que j'ai en soi. Même si ce n'est pas nous qui sommes tombés au combat, j'envie ceux qui ont péri sous sa bannière. Oui, je disais, le jeu veut absolument pas que je m'arrête d'utiliser un lance-roquette. Hein. On m'enfile un à chaque fois que je n'en ai plus. Hein. C'est terrible. Bon, Ellie, tu m'embêtes un petit peu là. Tu me mets toujours dans des situations délicates. Putain, et des snipers, en veux-tu, en voilà. Ça non plus, ça s'arrête pas. Merci. On va essayer de focus un petit peu parce que je vois pas trop dans la zone en fait. Genre, ça tourne énormément. Tourner dans la vie, David. Oh, il n'y avait pas de mur invisible cette fois. Perturbant. Ouais, tout à l'heure j'avais un petit peu du mal parce que ça faisait ça en fait le chemin. Mais là on va essayer d'aller un petit peu plus loin. T'as vu, elle a ouvert un portail sur le truc de police et elle est tombée sur la police. J'avais raison. Ah, mais bien sûr. Elle ouvre des portails logiques hein, en général. C'est effectivement ce qu'on avait compris dans la première phase, mais quand même, tu vois. Elle est où? Elle est où? Non, attends. Ellie, t'es où? Attends, elle est où pour de vrai? Ah là. Ça marchera pas. Si tu tires au travers, ça marchera pas. Attendez. On prépare notre coup. Y'a rien d'autre à récupérer? Non. Opération. Saute mouton. Let's go. Hé toi. Lâche madame. Ellie. Elle est où? Elle a des potes. Ellie. Oh putain, elle est partie se planquer. Ellie. J'ai besoin de toi en combat, pas hors combat! La gueule! Ouais, non, le pouvoir du taureau enragé, je suis désolé, mais c'est trop bien. Hein. Et encore une fois, un pouvoir que je n'aurais pu même pas avoir en fait. C'est juste que, bah, parce que j'ai l'édition complète ou je sais pas quoi là, j'ai des pouvoirs un peu cheatos, ce qui est un peu con. Ah! Merde, je pensais que j'allais jeter une grenade. Attendez, il y a un truc qui me tire, des lance-roquettes. Ah! Chacal! Ok, prime du risque, 8 sur 10. Comment ça, prime du risque? Je prends du risque depuis le début! Ah!
Je douille, hein. Je douille. Panique pas, Kazma, panique pas. Mais j'ai plus les avantages de terrain, c'est terrible. Ta gueule. Aïe. Ok. Non, c'est pas vrai. Je l'avais. T'es pas un peu vieux pour elle? Pour qui? Pour Ellie? Non. L'amour n'a pas d'œil. Et n'a pas du reste. On est où là? Je suis en tôle? Attends, on va prendre la carabine. Putain, c'est pas vrai! Ah oui, ok, je vois où je suis. Bonjour toi. Ok, bon, bah, au moins si j'étais pas mort, j'aurais peut-être jamais trouvé ça. Rebonjour du coup. Non. Toi t'es avec moi. Mais ouais, j'en ai un peu marre de canner pour de la D là. Ça fait deux fois que je meurs pour de la D. De la vraie D. La gueule! Putain, les Mister Lance-Roquettes, laisse tomber, quoi. Les gros bim, madame! Attends, c'est un lance-roquette, hein. Ah, c'est un lance-grenade! Ah, mais j'ai pas encore essayé ça! Un truc qui fait boum! Mais genre pas autant boum qu'un lance-roquette. Ah merde, là j'ai pris lance-roquette et lance-grenade. Attends. Attends, on est sur un combo intéressant, mais quand même. Voilà, nique-toi. Où est l'ennemi? Où est l'ennemi? Allô l'ennemi? Tu es où? Tu es où? Je t'ai entendu parler, hein. Mais toi, là, je sais même pas t'es où. Il est où? Attendez, il y a un gars, je sais pas où il est. Michel? Mais toi, rends-toi, t'es où? Il est où, ce connard? Attendez. Bonjour, bienvenue. À mort. Il est où celui-là? Jackie! Je vais vous tuer. Me dis pas t'es bloqué dans une texture. Chacal. Mais t'es où? Lâche. Mais lâche de rien, j'essaie de devenir... Il me gâte, il me vénère. Je sais pas où il est. Je peux pas me le faire du coup. Ah attends. J'ai peut-être trouvé un truc. Attends. Parce que je l'entends au-dessus depuis l'air. Ah il est là. Mais bon. Ellie, t'es là? Ouvrir la porte, elle doit être là. Ok. Ah mais ok, d'accord, j'ai compris. C'était justement pour nous dire qu'elle était au-dessus. Bonjour messieurs. Toi. Toi tu m'intéresses. Kit de soins. Non, c'est pas toi qui m'intéresse du coup. Ok, alors attendez, on peut avoir une upgrade. Permet de créer un effet de chaîne entre les projections des ennemis. Let's go. Augmente les dégâts, ça me va aussi, oui. Ça me va aussi. Bon bah super, je me ruine, hein, toujours. Et sous. Je sais pas où c'est qu'on en est du point de vue de l'histoire, mais ça va être compliqué d'améliorer quelque chose à fond en fait, que ça soit une arme ou une capacité. Parce que tout demande d'avoir un max. Et à moins qu'il y ait un New Game Plus où tu conserves ton inventaire, tes caps, tout ça, ça me paraît un peu mal barré quand même. Bon mademoiselle, est-ce qu'on peut discuter entre adultes, s'il vous plaît? Ok, on peut pas discuter en adulte. Super. Attends-moi. Attends. Elle est où? Ellie! Bordel! Ellie! Elle est où? Je veux descendre! Je suis coincé. Ah! Ah! Super! Attends. C'est bon. Ellie! Ah, oh, oh non! Ah non, ça fait peur! Oh, ça fait peur! On est mort. On est giga mort! Ellie! Ah, super! Je vais canner pour de vrai! À partir de là que le jeu devient moins rigolo. Oh oh. Allez. Je suis mort. Oh Ellie. Elle m'a sauvé la vie. Ah oui. Merci.
Bon, elle est où? Allez là! Hé hey, je vais lâcher! N'essayez surtout pas de me suivre, monsieur DeWitt! Hey, c'est pas sympa! Je me suis débrouillé pour qu'on nous rende le dirigeable! Vous pouvez nous faire partir! Exact. Tout ce qu'il me faut, ce sont des armes pour toute une armée de révoltés. Et où trouverez-vous toutes ces armes? Auprès de l'un de nos innombrables alliés? Un armurier de Fington. Ça devrait être les doigts dans le nez. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me suis? Vous êtes un menteur, monsieur DeWitt. Et un voyou. Mais si je veux voir Paris, je n'ai pas d'autre choix. Eh ben, il n'empêche que c'est avec tout ça que je me dis que la notion de choix et de karma, c'est dommage qu'elle n'existe plus par rapport à ce qu'on disait. Bon, bah, messieurs, dames, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est très très stylé. Ellie est fatiguée. Enfin, je veux dire, vraiment, ça se voit sur elle qu'on vit l'aventure depuis le début. Et je t'encadre, ma chérie, tu es magnifique. Tu fais au moins un chargeur de hauteur, c'est parfait. Et elle ne veut pas être encadrée, visiblement. Bon, bah, messieurs, dames, écoutez, je vous remercie. Je vais vous laisser là pour cet épisode. En espérant que ça vous ait plu, nous on va enchaîner directement sur Twitch. YouTube, je te fais des poutous. Rejoins-nous en description pour la suite de ces aventures incroyables. Et même quand tu verras ça, on aura fini cette aventure. D'autres seront à venir, donc n'hésite pas. Rejoins-nous. Allez, des bisous.